Over there, the Statue of Liberty holding her torch over the harbor. I can see the Statue of Liberty already. That's one of the world's best known and most beloved landmarks. You should walk all the way to the top of the Statue of Liberty. She's French. You know that. God bless America and vive la France. La Statue de la Liberté est reconnaissable presque partout dans le monde. Pourtant, peu de gens connaissent réellement son histoire. L'histoire d'un Français avec un rêve qui est allé contre vents et marées pour le réaliser alors qu'il semblait n'avoir aucune chance. Près de 140 ans plus tard, sa gigantesque sculpture de cuivre est devenue un phare de liberté, traversant les âges et les tempêtes, toujours debout et toujours inspirante. Happy birthday, Miss Liberty! À la fois un symbole de liberté, de démocratie, d'union franco-américaine ou encore d'accueil pour les immigrants, mais aussi une icône de la pop culture et une merveille d'ingénierie, la statue est bien plus qu'une attraction touristique et elle nous évoque à tous des sentiments différents. She's perhaps the most recognizable object of art on the planet. Pour vous raconter cette histoire fascinante, je me suis rendu sur place avant les heures d'ouverture pour rencontrer ceux qui travaillent avec elle tous les jours et ils m'ont emmené jusqu'à l'intérieur de sa célèbre couronne pour découvrir ses secrets les mieux gardés. D'ailleurs, je vais publier plein de photos de ce tournage sur mon compte Instagram, donc allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui donc, je vous emmène sur la baie de Manhattan à la rencontre de la Française la plus célèbre d'Amérique pour vous raconter une belle histoire de persévérance et d'union qui fait du bien à entendre aujourd'hui. Notre histoire commence bien loin de Manhattan, lors d'un dîner secret à Versailles. Nous sommes en été 1865, la guerre de sécession vient de se terminer aux États-Unis. Abraham Lincoln vient de se faire assassiner. Ce dîner, il est organisé par Édouard de Laboulaye, juriste et professeur au Collège de France, qui tient à lui rendre hommage, tout en célébrant la fin de l'esclavage aux États-Unis. À ce moment-là, en France, la situation est loin d'être idéale. On est sous le Second Empire, gouverné par Napoléon III, loin du symbole de liberté que porte la statue. Laboulaye, lui, est un républicain libéral, anti-esclavage, clairement anti-Napoléon, et passionné par les États-Unis et leur politique. La démocratie américaine est un modèle pour lui, qu'il rêve de voir un jour en France. Laboulaye évoque ce soir-là un monument construit par la France et les États-Unis, mais on est encore loin d'imaginer la Statue de la Liberté. Néanmoins, l'idée d'un monument va rester dans la tête d'un des invités, le sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi, et vous l'avez compris, c'est lui qui construira la Statue de la Liberté quelques années plus tard, avec le soutien de Laboulaye. Bartholdi est originaire de Colmar, en Alsace, et vous le connaissez peut-être pour certaines de ses œuvres qu'il a réalisées plus tard en France, comme le Lion de Belfort. Bartholdi n'avait pas forcément la même passion pour les États-Unis, mais il a lui aussi grandi avec les mêmes valeurs républicaines. Il fait partie de ces Français qui ont grandi en voyant l'Amérique comme un idéal de démocratie et de liberté, décrite comme telle dans la poésie ou le théâtre par exemple. Quand il était plus jeune, son professeur d'art et mentor était un proche du marquis de Lafayette, figure qui a joué un énorme rôle dans la Révolution américaine. Donc forcément, passer une partie de sa jeunesse dans son studio a eu une grande influence sur ses opinions politiques. Elle a été naturellement exposée à l'histoire des États-Unis et leurs valeurs. L'idée d'un monument aux États-Unis marque Bartholdi parce que c'était un peu le projet de ses rêves. En 1855, il avait été envoyé en Égypte pendant 7 mois par le gouvernement pour explorer l'art local et expérimenter le nouveau médium de la photographie. D'ailleurs, pour l'anecdote, certaines des premières photos du Moyen-Orient ont été prises par Bartholdi. Sur place, il a été impressionné par les monuments immenses, des pyramides aux sphinx en passant par les colosses de même nom, et tombe amoureux de la ville d'Alexandrie. Ce voyage l'a marqué à jamais, il rêve lui aussi de construire un jour son propre colosse, ou d'être à l'origine d'une des merveilles du monde. En 1869, il propose d'ériger un phare à l'entrée du canal de Suez, qui vient d'être complété. Nommé « La liberté éclairant l'Orient », ou « L'Égypte apportant la lumière à l'Asie », son projet représente une paysanne égyptienne brandissant une torche sur un immense piédestal. Ça vous rappelle quelque chose ? Malheureusement pour Bartholdi, le vice-roi Ismail Pacha finit par refuser le projet qui coûtait trop cher. Plus tard, Bartholdi assurera que la Statue de la Liberté est une œuvre unique et pas un recyclage de son projet pour l'Égypte. L'inspiration est indéniable et son envie de marquer l'histoire avec une statue grandiose n'a jamais quitté son esprit. Tout y est déjà. Le piédestal, une femme drapée, une femme qui lève le bras, la torche. D'ailleurs, dès 1870, il sculpte déjà une première maquette de la Statue de la Liberté, de son vrai nom, La Liberté éclairant le monde, aujourd'hui exposée dans sa maison natale à Colmar. Et voici, monsieur, le modèle définitif de la Statue de la Liberté tel que Bartholdi l'a réalisée. Et ces petites statuettes qui se trouvent sur la cheminée? Ce sont les maquettes, les différentes maquettes. Le déclic arrive d'ailleurs cette même année, quand il combat pour la France contre la Prusse. À l'issue de cette guerre, la France perd la Lorraine et l'Alsace, et la perte de sa ville natale va le marquer à jamais. La France entre aussi dans la Troisième République, mais vit une situation politique compliquée et assez chaotique, avec notamment l'échec sanglant de la Commune de Paris en 1871.
C'est une raison de plus pour Laboulaye et Bartholdi de rêver à nouveau de la démocratie américaine, et on voit naître les premières esquisses de celle qui deviendra Miss Liberty. L'idée de la Statue de la Liberté permettait à la fois de célébrer l'amitié franco-américaine pour le centenaire de l'indépendance, mais aussi d'envoyer un message aux Français, un symbole d'espoir, de progrès social et de liberté en France. You know, Laboulaye was a philosopher and a deep thinker, and I think they had very important intentions behind the gift. One being just kind of nudge the French people to think about their form of government. C'est avec cette idée en tête que Bartholdi traverse l'océan pour rejoindre New York en juin 1871, avec l'intention de vendre son projet. Lors de ce voyage de 4 mois, il va traverser les États-Unis 2 fois en train, en passant par plein d'états différents. Il devient peut-être le Français connaissant le mieux le pays à l'époque. Mais malgré ce long voyage, il sait déjà où installer sa statue, avant même d'arriver au port de New York. En voyant une île sur la baie de New York, il sait immédiatement que c'est l'endroit parfait pour son œuvre, comme on peut le lire dans son journal de l'époque. Cette île, c'est Beldoze Island, à l'époque un fort militaire. D'ailleurs, pour l'anecdote, vous pouvez toujours voir les restes du fort quand vous visitez l'île. The pedestal was built on an existing fort. It's called Fort Wood. And it was built as part of the harbor defense system back before the War of 1812. Turns out we never really needed the forts because the British decided to go to Washington DC. But that's an historic fort. And the pedestal was built on top of that. Dès son premier jour à New York, il prend le ferry de Staten Island pour la voir de plus près. C'est le même ferry que prennent des millions de touristes pour observer sa statue 150 ans plus tard. Et c'est ça le plus fou. Si la statue semble être parfaitement placée, ça n'a pas été le résultat de mois de recherche du lieu parfait. Après avoir voyagé dans les quatre coins des États-Unis pour faire du repérage, Bartholdi n'a jamais voulu lâcher sa première intuition. Et s'il n'avait pas suivi son instinct, la statue ne serait peut-être jamais devenue un tel symbole. Alors ce voyage aux États-Unis, il va vraiment marquer Bartholdi. Il passe par toutes les émotions. D'abord le choc, en voyant une ville aussi chaotique que New York, où tout va vite, où les rues sont souvent bondées et sales, et où l'architecture est incohérente. Des émotions qui évoluent vite en découvrant l'innovation du métro ou la beauté de Central Park. Puis il devient fasciné en voyant d'autres grandes villes comme Chicago ou Saint-Louis, où il découvre la magie du progrès et des avancées technologiques de l'époque avec ses chemins de fer et ses poteaux électriques. Et enfin, c'est l'émerveillement, en découvrant les grands espaces naturels des deux côtés, comme sur cette photo aux chutes du Niagara. Ici, tout est plus grand. Peut-on lire sur les lettres envoyées à sa mère à l'époque. La même phrase que disent encore les Européens quand ils visitent les États-Unis aujourd'hui. Il existe même des peintures de son voyage, comme celle-ci, qui montre une ville du Midwest, ou celle-ci, que je trouve superbe. Bartholdi est donc tombé amoureux des États-Unis, il finira d'ailleurs par se marier là-bas, et surtout, il est certain que c'est ici que la statue de ses rêves devrait être installée, dans le pays de la démesure et du monumental. Sur place, il a pu faire des tas de rencontres grâce à des lettres d'introduction de Laboulaye, il a même pu discuter avec le président Ulysses Grant, et participe à des repas mondains pour espérer lever des fonds. Il rencontre des personnalités politiques, des artistes ou des industriels. Alors il se rend compte effectivement que beaucoup sont enthousiastes à l'idée et il reçoit beaucoup de mots d'encouragement, mais d'un point de vue financier, c'est pas vraiment concluant. Beaucoup de riches New-Yorkais ne voient pas l'intérêt de donner autant d'argent pour une statue, sauf s'ils peuvent éventuellement inscrire le nom de leur entreprise dessus. Face aux difficultés, le projet va donc être mis en pause, mais il ne quittera jamais l'esprit de Bartholdi. C'est pourquoi en 1875, Édouard de Laboulaye fonde l'Union franco-américaine, dont le but sera de lever des fonds pour, enfin, construire la Statue de la Liberté. Le monument devrait être un effort commun entre la France et les États-Unis. Le comité français serait donc responsable du financement de la statue, et le comité américain, créé en 1877, serait chargé de financer le piédestal. Alors certes, les amis fortunés de Laboulaye ont aussi participé à la levée de fonds, mais ce qui est assez incroyable, c'est que le gouvernement français n'a pas investi un franc pour construire la Statue de la Liberté. She's an amazing gift, right? From the people of France to the people of the United States, not the governments. I think that's a nice and important distinction. Les Français de toutes les classes sociales, mais surtout de tout le territoire, ont contribué, parfois avec l'aide de la presse qui incitait ses lecteurs à participer au projet. Plus de 180 villes de France ont aussi apporté leur soutien, et parfois même une contribution financière. C'est fort probable que votre ville de naissance ait participé à cette levée de fonds. Bartholdi autorise aussi d'utiliser l'image de la statue à des fins commerciales, et elle fut déjà utilisée dans les publicités françaises et américaines avant même d'être construite. La construction commence dans la foulée, dans un atelier du 17e arrondissement de Paris, à quelques pas du parc Monceau. En commençant par la torche et la tête, avec des ouvriers et artisans français qui travailleront plus de 10 heures par jour pour la terminer à temps. La Statue de la Liberté est donc, comme prévu, monumentale, du haut de ses 46 mètres, sans compter le piédestal, et serait la plus haute statue du monde à l'époque, de quoi marquer les esprits. Je vous propose une petite parenthèse histoire de l'art. Pour la concevoir, Bartholdi s'inspire de la déesse Libertas, symbole de la liberté donc, dans la mythologie romaine. Souvent représentée dans l'art de l'époque, sur les pièces de monnaie, et même sur le sceau de la République française créé quelques années plus tôt, qu'on utilise encore aujourd'hui.
Bartholdi a aussi fait le choix de s'éloigner de la figure révolutionnaire de Marianne, comme représentée dans le tableau de Delacroix par exemple, pour choisir à la place une femme calme et sereine. Il voulait promouvoir une vision de la démocratie non violente, et puis il faut aussi dire que ça pouvait rassurer les investisseurs. Ces statues représentaient la liberté via l'éducation, la philosophie et la paix. C'est aussi représenté avec sa tablette sur laquelle on peut lire la date de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et c'est bien sûr tout le symbole de la torche, qui est censé apporter la lumière face à l'obscurantisme et l'ignorance, avec une flamme du savoir pour participer à la démocratie. Her foot is bent upward, she's striding forward. She's not standing still. She is walking into the world to enlighten it. Même chose pour sa couronne, les sept pointes symbolisent le soleil qui apporte lui aussi la lumière, contrairement au bonnet phrygien plutôt associé à la révolution à l'époque. On dit souvent que les sept pics représentent les sept continents, en réalité ça n'a jamais été prouvé. Ce sont les mêmes pics que le sceau de la République, et on voyait souvent des symboles similaires dans l'Antiquité ou dans l'art de l'époque. Il existe plein de détails que l'on ne peut pas remarquer au premier regard. What a lot of people don't know is that there are broken shackles at her ankles. You can't see them from being on the ground, you can only see them from the air. Those broken chains are a powerful symbol with a nod towards the end of slavery. Enfin, son visage se veut neutre. Il existe des tas de théories expliquant qui est la statue de la liberté. Certains disent qu'il s'agit du visage de sa mère, d'autres disent qu'il s'agit d'une prostituée de Pigalle. En vrai, ce sont que des hypothèses. Son visage a beaucoup évolué au fil des dessins et des maquettes. Et la théorie la plus plausible, c'est que son visage est universel. La statue de la liberté représente une idée, et pas une personne. Et c'est justement cette torche, ce visage et cette couronne qui permettront de convaincre le public. En 1877, les États-Unis fêtent le centenaire de leur indépendance. Malheureusement, la statue ne peut évidemment pas être terminée pour cette date. Mais Bartholdi tient à exposer son bras et sa torche, tout juste complétés, à l'exposition de Philadelphie. Pour 15 cents, les visiteurs peuvent monter au sommet des 13 mètres de la torche et apprécier la vue. À cette époque, la torche seule était déjà impressionnante. Après la visite, on avait la possibilité d'acheter des produits dérivés comme des cartes postales, des photos ou des figurines de la statue signées par Bartholdi, de quoi financer le futur piédestal. C'est un tel succès que Bartholdi répète l'opération à l'Expo Universelle de Paris, cette fois avec la tête et sa couronne. C'est un énorme succès. Pendant tout l'été, les Français observent Paris depuis sa couronne, la même couronne qui accueille des centaines de touristes à New York aujourd'hui. La même année, le comité franco-américain lance même une loterie dans toute la France permettant de gagner diverses œuvres d'art. Tous ces efforts ont porté leurs fruits et le financement était complet en 1880 malgré un coût de production qui ne cessait d'augmenter. She's also an amazing marriage between art and engineering because you have this thin copper structure weighing, you know, an immense amount of weight. How do you hold that up and have her stand up to the elements of being out in New York Harbor? Pour construire un tel monument, plus haut qu'un immeuble, être sculpteur ne suffisait pas. Il fallait aussi un bon architecte. Il fallait s'assurer qu'elle puisse tenir dans le temps, résister au vent, mais aussi que l'on puisse facilement la transporter de l'autre côté de l'Atlantique. Un vrai défi technique. À la base, Bartholdi avait embauché le célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui avait notamment restauré la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore le Mont-Saint-Michel. C'est lui qui avait suggéré l'utilisation du cuivre, mais à la base, il prévoyait de remplir l'intérieur avec des sortes de sacs remplis de sable pour la garder stable. Finalement, sa mort en 1879 va tout changer, parce que son remplaçant, vous le connaissez tous, il s'appelle Gustave Eiffel. À l'époque, sa tour n'existe pas encore, mais il est déjà vu comme un ingénieur de génie grâce à ses ponts en métal, un peu partout en Europe. Il propose donc, comme il sait le faire, une armature métallique qui sera le support de la statue. Ce serait une vraie prouesse, une tour de fer de 50 mètres qui est en quelque sorte la grande sœur de la tour Eiffel. He designed the structure, the internal structure, brilliantly in a way that gives full structural support to the statue, but also allows her to sway. So on a windy morning, if you're up in the crown, you feel that sway. She's been up there for almost 140 years now and no signs of stopping. She's withstood it all. La statue est non seulement incroyable à l'extérieur, mais c'est aussi une merveille d'ingénierie à l'intérieur. Eiffel était un ingénieur avec l'âme d'un artiste, convaincu que quelque chose de solide et pratique pouvait aussi être beau. L'extérieur de la statue est construit avec une technique ancestrale appelée le repoussé. En gros, des moules en bois sont construits, puis des petites plaques de cuivre fines de seulement 2 cm sont martelées jusqu'à obtenir la forme. Ces plaques sont ensuite liées entre elles avec des barres en métal et fixées avec des rivets. Imaginez juste la quantité de travail pour rassembler toutes ces plaques à la main, on compte 300 000 rivets en tout. Au fil des mois, puis des années, l'armature monte et son corps se dresse dans le paysage parisien, allant jusqu'à dépasser les immeubles haussmanniens. C'est la plus haute structure de la ville à l'époque et c'est un vrai spectacle pour les Parisiens. Certains l'appellent une cathédrale moderne.
Des centaines de milliers de Français voyagent juste pour la voir et l'observent pendant des heures. À partir de 1884, ils peuvent même monter les 375 marches jusqu'à la couronne. Un jour, le visiteur ultime vient rendre visite à Miss Liberty, un vieux monsieur de 82 ans du nom de Victor Hugo. Peut-être le meilleur symbole pour Bartholdi, dont le monument est censé représenter la liberté. Honoré, il lui offre une plaque de cuivre de la statue avec son nom gravé dessus. En France donc, la statue est un succès, et c'est d'ailleurs assez dingue d'imaginer aujourd'hui que ces statues se trouvaient un jour en plein milieu de Paris. Mais aux États-Unis, malheureusement, l'enthousiasme n'est pas le même. Si la construction du piédestal débute en 1884, elle doit s'arrêter au milieu du chantier par faute de moyens. Malheureusement, c'est quasiment impossible de collecter plus d'argent, et il faut le dire, peu d'Américains sont très intéressés par le sujet. The idea of the Statue of Liberty, this colossal statue being put out in the middle of New York Harbor, was maybe an idea before its time. I don't think Americans really grasped the full concept of what having a giant statue in the middle of the harbor would mean. So maybe they didn't think it was going to be that important, something that they needed to contribute to. Some Americans distrusted the French, whom they believed radical or effete, even immoral. Clergymen worried about a pagan goddess on American soil. Certains Français pensent d'ailleurs que les Américains qui ne faisaient aucun effort pour la recevoir ne la méritaient pas et qu'il ferait mieux de rester en France. It is ridiculous for Frenchmen to continue to impose on Americans a present they refuse to accept, to worry them with a souvenir that offends them, to humiliate them with a generous idea they do not comprehend, and to beg for thanks that they will not give. Finalement, Bartholdi a décidé d'envoyer la statue aux États-Unis, même s'il n'était pas encore sûr qu'ils l'accepteront. Il se dit qu'une fois sur place, ils devront bien en faire quelque chose. La statue est donc démontée, puis part en train vers Rouen, et le 21 mai 1885, elle embarque à bord de l'Isère, bateau du gouvernement français qui sera d'ailleurs sa seule contribution financière. 210 caisses sont chargées sur le bateau, 36 rien que pour les boulons et les rivets. Imaginez un peu l'organisation. Et quand je vous disais que la construction de la Statue de la Liberté n'était qu'une histoire de galère après galère, c'était loin d'être terminé. Au milieu de la traversée, le navire doit faire face à une immense tempête, si violente que le voyage a dû se terminer à la voile. Le bateau a failli vriller. Pendant 27 jours, la France perd contact avec le navire, et Bartholdi apprend que la statue est saine et sauve seulement après être arrivé à New York, où l'Isère a été accueillie avec une parade de navires. Imaginez un peu, après toutes ces années de travail, la statue pourrait être perdue au milieu de l'océan. Mais quand la statue arrive, le piédestal n'est toujours pas terminé, et des centaines de pièces de la statue devront attendre un an le temps de trouver un financement. The Americans were in charge of raising the funds for the pedestal. Now I have to admit we were a little sluggish in that effort because all of a sudden the statue had arrived here in crates and the pedestal wasn't complete. C'est là qu'intervient le journaliste Joseph Pulitzer, à ce moment-là propriétaire du journal The New York World. Pulitzer est un immigré hongrois plutôt progressiste, journaliste et représentant démocrate au Congrès. Et il était effaré de voir l'accueil des Américains à un tel cadeau. En 1885, il écrit un article dans son journal qui critique les riches New-Yorkais pour ne pas avoir aidé à financer le piédestal, alors que les Français de toutes les classes sociales ont participé. Il lance alors une grande campagne de sensibilisation et promet de publier le nom de tous ceux qui aideraient à financer, même avec un dollar. He said to the American people, donate any amount of money and I will print your name in my newspaper. And you know, people love to see their name in the newspaper. And so really it was one of the first instances of crowdfunding in history. Au-delà de la statue, pour beaucoup, cette levée de fonds est avant tout un acte politique. This isn't a gift from French millionaires to American millionaires, but a gift of the whole French people to the whole American people. Contribuer est un moyen de protester contre l'aristocratie new-yorkaise, de prouver qu'ils n'ont pas besoin d'eux pour arriver à leur fin et que l'effort commun peut battre les milliardaires. Cette campagne est un énorme succès. En quelques mois, le journal lève plus de 100 000 dollars, environ 2 millions de dollars aujourd'hui. Bien plus que nécessaire pour terminer le piédestal, le tout avec des contributions d'un dollar ou moins. La statue peut enfin être remontée en 1886, un an après son arrivée en Amérique, en commençant d'abord par son squelette en fer, puis sa peau en cuivre. Elle se dresse mois après mois sur la baie de New York. Et si aujourd'hui la statue semble être toute petite face au building new-yorkais, il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était la plus grande structure de la ville. Avec son piédestal, elle mesure 92 mètres, plus que le pont de Brooklyn, qui était déjà très impressionnant à l'époque. When they built the pedestal, you know, we gotta make sure the pedestal doesn't eclipse the statue, but it should probably eclipse or dominate the Brooklyn Bridge. Elle est donc extraordinaire et son arrivée est un événement. 15 ans après le premier voyage de Bartholdi aux États-Unis,
10 ans après le centenaire du pays, le rêve américain de Bartholdi est enfin devenu une réalité. On that October day, it was a very rainy, kind of miserable day in New York Harbor, but the harbor was full of boats, fireworks. The president Grover Cleveland was giving a speech for, you know, dedicating the statue. La liberté éclairant le monde, de son vrai nom, est donc inaugurée en grande pompe. Plus d'un million de personnes longent les rues pour assister aux parades. C'est d'ailleurs la toute première ticker tape parade, vous savez, les célèbres parades américaines avec des sortes de confettis dans les rues. Eh bien, la toute première de l'histoire honorait un Français, Bartholdi. Des centaines de bateaux entourent la statue avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, et Bartholdi lui-même dévoile le visage de Miss Liberty depuis la couronne qui était couverte d'un drapeau français. D'ailleurs, pour l'anecdote, il l'a fait au mauvais moment, au milieu du discours d'un sénateur qui n'aura jamais pu le terminer. Les sirènes des navires sifflent, les cloches sonnent, les canons sont lancés, et la statue de la Liberté est née. Mais dès le premier jour, on dénonce l'hypocrisie de son symbole. Pour inaugurer la statue d'une femme, censée représenter la liberté, seulement deux femmes sont invitées. Les Afro-Américains ne sont pas invités non plus. Même Pulitzer, un immigré juif, n'est pas convié. At the time, she's given as this symbol of freedom and democracy, but yet in the United States, not everybody was allowed to vote. Women weren't allowed to vote. Un groupe de suffragettes a donc manifesté avec son propre bateau, tentant de perturber la cérémonie avec des mégaphones. Des journalistes afro-américains aussi débattent du symbole de la statue, alors qu'ils sont encore clairement discriminés après la guerre de sécession. Concernant Bartholdi, il reverra la statue qu'il surnomme sa fille une dernière fois en 1893, avant de décéder quelques années plus tard. Après sa mort, la statue de la Liberté a évolué. Son apparence, d'abord, elle est devenue verte à cause de l'oxydation. À la base, elle avait la couleur naturelle du cuivre, un peu orangé. Mais c'est surtout le symbole de la liberté, tel que Bartholdi l'avait imaginé, qui a très vite évolué. La statue est une œuvre publique, que tout le monde peut voir, qui appartient en quelque sorte à tous les New-Yorkais, voire même tous les Américains. Dès le début, c'est une destination touristique. Rien qu'en 1890, 88 000 personnes sont venues sur l'île pour la voir. Elle est donc reconnaissable par tous, c'est une véritable icône, et chacun pouvait y voir son interprétation. Elle a très vite été réutilisée dans la presse ou dans les publicités pour symboliser la liberté, mais aussi le manque de liberté par des activistes. Dans une caricature de 1912, on la voit par exemple remplacée par une vache en or pour dénoncer le capitalisme de Wall Street. Des entreprises se sont aussi appropriées la statue pour vendre des tas de produits dérivés non autorisés ou des souvenirs, et pendant la Première Guerre mondiale, son image est même réutilisée par le gouvernement dans des affiches patriotiques pour l'armée américaine. Une affiche montre même une statue détruite dans un décor apocalyptique pour rappeler ce qui est en jeu. Elle est reprise aussi en France, où l'on rêve à nouveau de liberté. Dans les temps sombres, la statue devient officiellement un symbole d'espoir. Mais c'est pour les immigrants que la statue est devenue une véritable icône. To the 40 million immigrants who immigrated to the States since 1820, a symbol of freedom, opportunity and liberty. Sa torche en l'air ne représentait plus le savoir, mais l'accueil sur la terre promise. Naturellement placée à l'entrée des États-Unis face à l'Europe, elle deviendra très vite un symbole d'immigration, puisque c'était la première chose que les immigrants voyaient après leur long voyage par bateau. Le signe qu'ils étaient enfin arrivés à destination et qu'ils allaient pouvoir goûter à la promesse de liberté. Everybody said, look, there is a statue of liberty. And my heart started to pound, you know, so hard. And the tears just come down and I was looking. When I first saw the Statue of Liberty, I broke down in tears and I put her phone on my knees and kissed the ground. En 1892, le gouvernement américain ouvrait un centre d'immigration sur l'île voisine, Ellis Island, par laquelle passeront tous les immigrants, principalement des Européens, pour être inspectés avant d'entrer aux États-Unis. Enfin, tous ou presque, les immigrants les plus riches arrivaient directement à Manhattan. Pour l'anecdote, la majorité d'Ellis Island est artificielle et est constituée de la terre récupérée en creusant le métro de New York. Le bâtiment que vous connaissez aujourd'hui a ouvert en 1900, après la destruction du précédent par un incendie. We're in the registry room on Ellis Island in the main building, and this is the place where for approximately 60 years, immigrants arriving to the United States of America were processed. We didn't know when you made it to the United States whether or not we were going to admit you or not. And that processing work largely took place on this floor, in this room, under this ceiling. Entre 1905 et 1914, environ 1 million d'immigrants par an arrivaient à New York. Here, at the turn of the century, almost all Europeans entered freely, except undesirables such as criminals. Alors évidemment, c'était pas open bar non plus. Ellis Island était plus un symbole de peur et de stress que d'espoir. On la surnommait d'ailleurs souvent l'île des larmes. Les immigrants passaient par des tests médicaux très stricts et ils pouvaient être placés en quarantaine dans des conditions assez déplorables s'il y avait le moindre doute.
séparés de leur famille. There was a lot of anxiety. Part of the reason for that is that behind me there's a staircase. And coming up the staircase, immigrants noticed that they were being watched by doctors and nurses from the United States Public Health Service. Their job was to make sure you were medically fit to enter the country, and they had to give you a medical exam. So that line inspection started as soon as immigrants got onto the island. And that line exam involved a doctor looking you over to see, were you limping while you were coming up the stairs? Were you perhaps breathing in a way that might suggest you have a communicable disease? The concern here was, are you going to be fit to work in the United States or not? Certains pouvaient aussi être renvoyés chez eux aux frais de la compagnie de transport. C'était des cas extrêmes, mais ça pouvait arriver. There were immigrants who arrived on Ellis Island and were not maybe part of those 98% who were let in, who were perhaps detained here on Ellis Island. And we have a wonderful panel in one of our exhibits that talks about an immigrant who said, I noticed when I'm here in this room on Ellis Island and I look out the windows of the registry room, the Statue of Liberty has her back to the immigrants on Ellis Island. Le hall était organisé comme si les migrants étaient du bétail, puisqu'ils devaient faire passer parfois 5000 personnes par jour. Les gens pouvaient parfois attendre jusqu'à 5 heures pour leur entretien avec l'agent d'immigration. There are a number of things over the years that the immigration inspectors were concerned about. Sometimes it was about issues of morality, and sometimes it was about political issues. There's a moment where a United States president is assassinated by an anarchist, and the United States Congress adds a question to the immigration manifest, are you an anarchist? This is the door to the United States of America. Who's guarding the door? The Immigration Service, the Public Health Service. But this question of how much should the door be open? When are we going to close the door? Who are we opening the door to? Mais malgré tout, la statue voisine pouvait rester un symbole d'espoir pour certains. Parce que même si leurs conditions d'entrée étaient très difficiles, et s'ils allaient devoir s'installer dans des sortes de bidonvilles au sud de Manhattan, les conditions ne pouvaient pas être pires que dans leur pays d'origine. Immigrants to the United States remain undeterred. And it is that sense of hope and optimism about what kind of a life can be made in the United States, regardless of how wide that door is open, that I see symbolized here at Ellis Island. This is a national historical site, but it is also a universal symbol of migration, and that gives me chills every day that I stand in this room. Seulement un faible pourcentage a vraiment pu réaliser le rêve américain, mais Ellis Island reste quand même l'endroit où 12 millions de personnes ont eu droit à un nouveau départ, alors qu'ils sont venus avec rien, sans passeport, sans visa, et parfois sans argent, une époque qui semble bien lointaine. You have no money, no skill, no friends, no job. Your husband's a ditch digger. You have one child. What did you come here for? Well, we came because over there was worse. Aujourd'hui, on considère que 100 millions d'Américains ont des ancêtres qui sont passés par Ellis Island, et pour la plupart d'entre eux, la Statue de la Liberté était la première à les accueillir. We in America are immigrants, or the children of immigrants. We are one people, but a people welded from many nations and races. I like to point out that for so many immigrants, they lived quiet lives in anonymity, but they absolutely contributed to what makes America. And it's those names that you will find here on Ellis Island on the Wall of Honor. You will find thousands of names of people who we might not know who they were, but they were an integral part of this story at Ellis Island. Bartholdi n'avait jamais envisagé que sa statue soit une icône pour les immigrants, mais au fil du temps, elle a fini par ne représenter que ça. Celle qui a donné cette nouvelle signification, c'est la poétesse Emma Lazarus, qui avait rédigé un sonnet appelé « Le Nouveau Colosse » pour aider à lever des fonds pour le piédestal en 1883. Elle-même réfugiée des pogroms en Russie, elle imagine la statue comme celle qui accueille les immigrants, les opprimés et les réfugiés dans le Nouveau Monde, qui arrivaient en masse par bateau pour fuir la pauvreté, la famine ou la persécution. « Give me your tired, your poor. » Your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore, send these, the homeless, tempest-tossed, to me. I lift my lamp beside the golden door. Mais le poème a vite été oublié et n'a pas forcément eu d'impact sur le symbole de la statue les premières années. En 1890, un magazine utilise même la statue comme symbole d'anti-immigration, disant que si un centre d'immigration était construit sur son île ou à Ellis Island, elle rentrerait en France. There has always been what historians call anti-immigrant sentiment in the United States, and that was no different during Ellis Island's time. There were many voices in the country saying, 98%, that's far too many people that you're letting into the United States. C'est en 1903 qu'une plaque avec le poème de Lazarus est finalement posée dans le piédestal, reconnaissant officiellement la statue comme un symbole d'accueil pour les immigrants. Et puis, quoi de mieux pour symboliser l'immigration qu'une Française qui a elle aussi traversé l'Atlantique pour s'installer à New York?
Malheureusement, cette vision des États-Unis comme terre d'accueil n'a pas duré longtemps. En 1924, une nouvelle loi impose des quotas par pays, mettant fin à cette période d'immigration de masse aux États-Unis. If people who already live in the country think they're having trouble getting jobs, they often don't want immigrants to come in, thinking that immigrants will take those jobs. They put a quota on the number of immigrants who are allowed to arrive in the United States, and they base those quota numbers on a favoritism for Northern and Western Europeans, the old stock of immigrants, and they want to exclude the new stock of immigrants who are largely from Eastern and Southern Europe. That makes this room a rather empty room. Les quelques migrants acceptés arrivaient directement à Manhattan, et Ellis Island est alors devenu un centre de détention pour gérer les déportations. La statue ne devient alors qu'un symbole qui ne correspond plus forcément à la réalité. La statue a malgré tout fini par recevoir le soin qu'elle méritait après des décennies de délaissement, où l'on a pu voir certaines parties se faire ronger par la rouille. It was the hope of those who gave us this statue, and the hope of the American people in receiving it, that the goddess of liberty and the goddess of peace were the same. Le New Deal de 1929 débloque enfin des fonds pour la réparer. La statue devient officiellement gérée par le service des parcs nationaux en 1933. Oui, le même service qui gère les grands espaces naturels américains, comme le Grand Canyon. The National Park Service, you know, takes care of the special places that Americans have decided are so important that they need to be set aside and protected and preserved. You know, we're a young country, so it's important to preserve these places and to understand where it is from. Where we came. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Statue de la Liberté devient à nouveau un symbole d'espoir, à une époque où la liberté semble être le plus menacée. In 1940, Hitler looked towards the Eiffel Tower in Paris, and beyond it, towards another tower, the Statue of Liberty. Elle apparaît dans les images de propagande de l'armée, comme symbole de ce pourquoi il faut se battre. Am I glad to be a citizen of the United States of America? Une version miniature est même installée à Times Square comme un petit rappel à la population et pour lever des fonds pour l'effort de guerre. On Times Square, the Statue of Liberty in miniature topped the giant bond buying booth sponsored by the Motion Picture War Activities Committee. Donc forcément, en 1945, c'est elle qui représente la victoire. Grand old lady of them all has her day too, as the torch that has been a symbol of liberty and the statue itself is once more lighted to remind our enemies that freedom and democracy will never perish. Après la guerre, la statue de la liberté atteint 500 000 visiteurs par jour. Elle devient officiellement une icône de l'Amérique glorieuse. Visitors can, if they wish, climb inside the statue to the head, which is 10 feet thick and will hold 30 persons. Les origines françaises de la statue ont presque disparu. Et elle devient une icône 100% américaine. Probably the best known symbol of America to the outside world is the magnificent Statue of Liberty at the entrance to the New World. Elle est peinte par Norman Rockwell et devient une icône de la pop culture. En 1949, elle a même droit à sa propre comédie musicale sur Broadway. La statue représente tellement l'Amérique qu'elle apparaît fréquemment sur les affiches de propagande soviétique pendant la guerre froide. Donc naturellement, pour les Américains, comme dans les magazines de science-fiction des années 30, sa destruction serait immédiatement symbolique de la fin de l'humanité, c'est pourquoi elle a été choisie dans la planète des singes. God damn you all to hell. Et vous remarquerez que c'est un symbole encore utilisé aujourd'hui, comme dans le film Cloverfield. Seulement voilà, les symboles c'est beau, ça parle à tout le monde, mais ça ne correspond pas toujours à la réalité. On parle d'un symbole d'immigration dans un pays qui la restreint de plus en plus, de liberté dans un pays où beaucoup se battent toujours pour l'égalité. For a black American, for a black inhabitant of this country, the Statue of Liberty is simply a very bitter joke. Et c'est pour cette raison que la statue est aussi devenue un lieu de protestation, pour justement demander plus de liberté, comme l'ont fait les suffragettes dès le premier jour. En 1970, on y a vu une manifestation féministe menée par l'activiste Ivy Bottini, qui a aidé à promouvoir une marche à Manhattan deux semaines plus tard qui attira pas moins de 50 000 femmes. Un an plus tard, une quinzaine de vétérans de la guerre du Vietnam occupent l'île pendant trois jours pour manifester contre la guerre, avec une lettre pour Richard Nixon à l'entrée de la statue. They have come here to make what they consider to be an extremely important symbolic protest at what is one of the leading symbols of freedom in the world. Peu de temps après, en 1977, Miss Liberty a porté le drapeau portoricain sur sa couronne pendant plusieurs heures, placé par des activistes pour l'indépendance de l'île. Un an plus tard, en 1978, elle est choisie par un groupe d'activistes amérindiens accompagné de Mohamed Ali
pour promouvoir une longue marche à travers le pays. Quant à Ellis Island, qui a officiellement fermé en 1956, elle est restée abandonnée et laissée telle qu'elle. Ellis Island, once the first stop for 20 million new Americans, is empty now. An abandoned relic of an earlier age. Alors certes, sa fermeture est surtout liée au fait que les nouveaux migrants arrivaient par avion, mais malgré tout, les images du célèbre centre d'immigration complètement délaissé, figé dans le temps, juste à côté de la statue qui auparavant levait sa torche aux millions de migrants, semble presque être une allégorie des nouvelles politiques d'immigration américaine. Les vestiges d'un ancien temps où l'Amérique était encore une terre d'accueil. Today, Ellis Island is abandoned and deserted. A stark and evocative reminder of the days when its grounds and buildings were jammed with future Americans. Au même moment, la statue de la liberté aussi se fait vieille. Son 100e anniversaire approche, et ses années à affronter l'eau salée, la pluie, la pollution et les millions de touristes ont forcément eu un impact. Une restauration est plus que nécessaire, et c'est Ronald Reagan qui va prendre la décision pour que la statue soit comme neuve pour célébrer son centenaire. Après une analyse des dégâts par un comité franco-américain et des experts français, Reagan demande à Lee Iacocca, le président de Chrysler, de se charger du projet. Iacocca est le candidat parfait pour une telle opération, c'est une icône du rêve américain dont les parents sont passés par Ellis Island, célèbre pour son succès dans le monde automobile. If you can find a better car, buy it. Il est partiellement responsable du développement de la Ford Mustang et venait de sauver Chrysler de la faillite. The years have been hard on Ellis Island, and they've been hard on the lady with the torch across the harbor too. Are we going to preserve these monuments, or will they become just ruins of the past, like the pyramids or the Colosseum? Are the values these monuments symbolize still alive in America, or are they part of our past? La promesse de Lee Iacocca pour cette restauration est simple. Aucun dollar ne devrait provenir du gouvernement, comme l'avait voulu Bartholdi 100 ans plus tôt. Age and harsh weather have weakened her. Only you can keep her torch burning bright. Send your contribution to The Lady, Box 1986, New York, or call 1-800-THE-LADY. C'est donc le secteur privé, à la fois les grandes entreprises américaines et le peuple américain, qui participeront à la levée de millions de dollars pour rendre sa gloire à la statue, à travers une association tout juste créée, qui existe encore aujourd'hui. Your Dodge dealers are proud of their role as founding sponsors of the Statue of Liberty Ellis Island Foundation. That foundation was formed by Lee Iacocca and raised the money for the restoration. I've heard it described as the most successful public-private partnership in history. Par exemple, des pièces de monnaie commémoratives sont vendues au public et permettent à elles seules de lever 84 millions de dollars. Les entreprises aussi ont beaucoup participé à travers des sponsors. Par exemple, American Express a reversé 1% de toutes ses transactions à la fondation. Et certaines marques partenaires ont eu l'autorisation d'utiliser la statue dans leur publicité. We're Kodak, a founding sponsor of the Statue of Liberty, Ellis Island Centennial Restoration. 85 entreprises ont aussi eu le droit de vendre des produits dérivés, dont les revenus allaient être reversés à l'association. Alors évidemment, cette participation des grandes entreprises n'a pas plu à tout le monde, allant à l'encontre de l'image populaire de la statue. Mais à côté de ça, il y a eu un vrai effort national pour participer à la levée de fonds. Par exemple, les enfants d'école du pays entier ont ramené leur petite monnaie pour faire un don collectif. À partir de 1984, la statue est entourée d'échafaudages placés stratégiquement pour ne pas toucher le cuivre. At the time, it was the largest freestanding scaffold structure that was ever built. Cette restauration est un réel défi. La tête doit être réalignée avec le reste du corps. Tous les rivets sont remplacés. Des litres de peinture intérieure doivent être retirés sans abîmer le reste. Et chaque barre en métal soutenant la structure doit être reproduite à l'identique en acier. Each new stainless steel bar is unique. Many twist and bend into contorting shapes, duplicating the old original ones. We didn't have the forms, but we had to replace over 1800 bars, no two of which were the same. Certaines plaques de cuivre sont même réparées en utilisant la même méthode que 100 ans plus tôt. Une alliance entre des architectes, historiens, artisans et ingénieurs, et plus de 1000 ouvriers, qui ont travaillé pendant des années pour s'assurer que la statue puisse vivre au moins 100 ans de plus. It's not just an ordinary job. This is the job. This is the job you want to be on. Le plus gros du travail se trouvait au niveau de la torche, en piteux état. Après l'ouverture de la statue, il a été décidé d'en faire un phare, avec une lumière depuis la torche. Mais ça n'a pas vraiment marché. People decided that, hey, maybe she can make a great lighthouse. Through several iterations, she never really worked well as a lighthouse, but this was the final result. La flamme a donc été modifiée à plusieurs reprises pour essayer de la rendre plus lumineuse, mais l'infiltration de l'eau a causé des gros problèmes d'oxydation. It's really too far gone to restore, and that if they don't do something radical, that it will the water that it lets into the statue will further deteriorate the statue. So the big decision is made
that they need to replace the torch. Une réplique est donc créée, en France, par des artisans de Reims spécialisés dans la technique du repoussé, une entreprise appelée les Métalliers Champenois. For all the French team, it's a big luck to be here and to work on the Statue of Liberty. Your work is beautiful. Beautiful and difficult too. Everything is made by hand. C'est un vrai travail de précision remarquable, à l'ancienne, de savoir-faire français au service du plus célèbre symbole des États-Unis. We are amazed of what they have done one century ago. It's a so difficult work to bend copper like that with so many delicate details. Le design reprenait celui imaginé par Bartholdi, recouvert de feuilles d'or. It has a 24-karat gold leaf on it, so very, very shiny and beautiful. Si vous souhaitez voir la torche d'origine, elle se trouve aujourd'hui dans le musée de la statue situé sur l'île. La restauration est une réussite. Des millions de dollars ont été levés en tenant la promesse de départ. Pas d'argent public. La restauration se termine à temps pour le centenaire de la statue en 1986, célébré le 3 juillet pour 4 jours de fête appelés Liberty Weekend. There were 3 venues close to the statue that kind of unveiled her new look. There was an opening ceremony and a closing ceremony. The closing ceremony was at a stadium that was fully packed. Now we will unveil that gallant lady. Thank you and God bless you all. Un événement suivi pas que par les New-Yorkais, mais par le pays entier, et même la France, puisque le président François Mitterrand s'est déplacé pour l'occasion. Arborant les pavillons américains et français, le Concorde présidentiel roule sur la piste de l'aéroport Kennedy. Monsieur François Mitterrand et sa suite entament donc à New York 24 heures de festivités pour le centenaire de la Statue de la Liberté. La baie de New York est remplie de pas moins de 25 000 bateaux, et les festivités sont diffusées à la télévision pendant toute la journée et regardées par des millions de personnes. Do you say any word in French? No. Avec un thème musical composé par John Williams, on ne fait pas les choses à moitié. Malgré les nombreuses interprétations des symboles de la statue, ce jour-là, Ronald Reagan a voulu rappeler l'importance de l'immigration aux États-Unis. What was it that tied these profoundly different people together? What was it that made them not a gathering of individuals, but a nation? That bond that held them together as it holds us together tonight. That bond that has stood every test and travail is found deep in our national consciousness. An abiding love of liberty. La cérémonie d'ouverture fait aussi parler des icônes du rêve américain comme Frank Sinatra, dont le père est passé par Ellis Island. President Mitterrand, Madame Mitterrand. Et le thème d'immigration n'était pas qu'un symbole de façade. Pendant ce week-end, environ 25 000 personnes ont obtenu la citoyenneté américaine, dont 300 à Ellis Island, avec une cérémonie diffusée en direct à la télé. Et d'ailleurs, c'est Ronald Reagan qui a signé une des plus importantes lois d'immigration de ces dernières décennies, quelques mois plus tard. Une loi qui a permis à plus de 3 millions de sans-papiers d'obtenir une carte verte, et même si elle n'est pas forcément liée à cet événement, elle donne tout de même l'impression que la torche toute neuve était levée à nouveau pour accueillir de nouveaux Américains. Autre symbole important de ce week-end, l'amitié franco-américaine. Je dis de toute la force de mon esprit et de mon cœur, Happy birthday, United States! Happy birthday, Miss Liberty! Les tours new-yorkaises sont bleu, blanc, rouge. Nancy Reagan est la première à visiter la statue, accompagnée de 100 enfants américains et français. Et les Américains admirent pour la première fois la patrouille de France, qui a traversé l'Atlantique juste pour l'occasion. Elle devait, après un voyage de plus de 10 000 km, effectuer 4 représentations en 4 jours qui, selon le New York Police Department, étaient suivies par plus de 3 millions de personnes. Ils feront ensuite le tour du pays pour décorer le ciel américain du drapeau français. En survolant les chutes du Niagara, les Alpha Jets ont créé, involontairement, un embouteillage monstrueux dû à des conducteurs descendus de leur voiture pour voir évoluer les avions. Un succès confirmé par la presse et les télévisions américaines, les journalistes y voyant un cadeau de la France au peuple américain. Mais le moment mémorable reste probablement le spectacle de feux d'artifice. C'était le plus grand spectacle pyrotechnique de l'histoire américaine à ce moment-là. Il a coûté plus de 2 millions de dollars, avec des feux d'artifice français fabriqués par Ruggieri, une entreprise spécialisée depuis des siècles.
Un week-end très spécial donc, qui célébrait beaucoup de choses à la fois. D'un côté le centenaire d'une icône, mais aussi l'anniversaire d'une nation dont la démocratie n'a pas faibli, ainsi que son meilleur allié dont l'amitié semble toujours aussi forte. God bless America and vive la France. Et bien sûr, c'était l'occasion de rappeler les principes de l'Amérique. La démocratie, l'égalité, la liberté et l'union des peuples, tous incarnés par ces statues. Alors évidemment, ce n'est qu'un symbole, et ces valeurs ne sont clairement pas toujours respectées. Mais un rappel ne fait jamais de mal. Et c'est ce que ce long week-end a tenté de faire, en rappelant à l'Amérique entière ses valeurs parfois menacées et souvent oubliées. It's been a terrific weekend, Liberty Weekend. Millions of words sung and spoken. The key now is to remember. Peu de temps après, l'ancien centre d'immigration d'Ellis Island a aussi été rénové pour en faire un musée d'immigration, grâce à l'argent levé précédemment. They had so much money left over from the restoration of the statue that they were immediately able to change their focus and restore the main immigration building on Ellis Island. Et vous pouvez le visiter après votre passage à la statue, je le recommande vivement. Un musée très bien fait qui rappelle aux Américains ce qu'ils oublient bien trop souvent, que leur pays a été fondé par des immigrants et que leurs ancêtres ont été discriminés de la même manière que leur génération discrimine les nouveaux arrivés aujourd'hui. La France aussi a célébré le centenaire de la Statue de la Liberté avec notre propre statue sur l'île aux Cygnes à Paris, qui a également été restaurée pour l'occasion. Pour fêter ça, une cérémonie est organisée avec Barbara Hendricks et Lynn Renault chantant leur hymne national respectif, le tout devant un Jacques Chirac ébahi. L'hymne américain chanté par Barbara Hendricks, la Marseillaise chantée par Lynn Renault, tout ça autour de la Statue de la Liberté à l'occasion des fêtes du centenaire, c'est un lien très profond, un lien à la fois d'histoire et de civilisation qui se renforce tout le temps entre le peuple américain et le peuple français, et c'est pourquoi c'est un jour de fête. Pour l'anecdote, cette statue est une réplique quasi exacte de celle de New York, mais plus petite, aussi construite par Bartholdi en 1885 et offerte par des artistes américains à Paris, placée en direction de New York. Et il n'est pas mauvais, je crois, que quand on regarde cette statue de la liberté, eh bien, on aperçoit aussi en arrière-plan la tour Eiffel, puisque le nom de Gustave Eiffel est associé pour toujours, lui aussi, à la Statue de la Liberté. Il y a des tas d'autres répliques en France, comme au musée d'Orsay, aussi construite par Bartholdi, ou à Colmar depuis 2004. Aussi, en 1987, un journal américain en France a offert une réplique de la flamme à la ville de Paris, exposée Place de l'Alma. Elle symbolise l'amitié franco-américaine, même si aujourd'hui, elle est plutôt visitée pour rendre hommage à la princesse Diana. Et il y a bien sûr plein de répliques autour du monde, on peut noter celle de Tokyo par exemple, réplique parfaite de celle de Paris. Cette dernière avait été envoyée au Japon par Jacques Chirac en 1998 pour une durée d'1 an, pour célébrer l'union entre nos deux pays. Elle a fait une telle sensation que les Japonais ont reconstruit leur propre version. Keiko et Léo vont appuyer sur un bouton, et voilà, la Statue de la Liberté, symbole de l'identité française, s'illumine. Toujours comme un symbole de démocratie, une version en plâtre avait été construite à Shanghai en 1989 pour manifester contre le gouvernement chinois. Et une version modifiée a servi de symbole de la révolte de Tiananmen à Pékin. La Statue de la Liberté de New York va bientôt célébrer ses 140 ans, et elle en a vu des choses. De sa naissance dans les rues de Paris à son voyage tumultueux à travers l'Atlantique, avant de dominer la baie de New York, elle est toujours aussi belle aujourd'hui et a su résister aux conditions météo les plus difficiles. Elle a vu New York grandir, les gratte-ciels se construire, devenir de plus en plus haut, et parfois disparaître, puis renaître de leurs cendres, mais elle n'a jamais bougé. Aujourd'hui, la Statue de la Liberté n'est peut-être plus aussi impressionnante qu'en 1886, mais ce qu'elle représente résonne toujours pour beaucoup de gens à travers le monde, souvent pour des raisons différentes. Personnellement, c'est une statue qui me touche beaucoup, parce que je suis comme elle, un Français en Amérique. Donc je l'aime autant pour son symbole de l'amitié franco-américaine que comme un symbole d'immigration, et ça me touche à chaque fois que je la vois. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. C'est un monument que j'aime particulièrement, avec une belle histoire qui me semble plus pertinente que jamais en ce moment. For me, she's a direct representation of the ideals of democracy and freedom, particularly important ideals to me as an American. Some of the ideals she represents are also very aspirational. Sometimes we don't always meet them. So we constantly strive to be better and to meet the ideals that she represents. Leaving home is one of the most powerful decisions that human beings have made in human history. And Ellis Island represents leaving home for somewhere new, for somewhere unknown, to try to make a better life. Ellis Island represents the promise and optimism of the American dream. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.
Thank you.